les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va nickel. Bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 jeux différents les uns comme les autres. Mais avant de vous faire voir les 5 jeux, les amis, je vous fais gagner la possibilité de gagner 5 clés d'un jeu PC. Malheureusement, je suis désolé pour les joueurs console, j'ai que des clés PC. J'en suis désolé. Mais prochain coup, vous inquiétez pas, ça sera les joueurs console. Donc, pour participer, les amis, et tenter de gagner les clés PC, il suffira de mettre en commentaire je participe et moi je ferai un tirage au sort parmi l'un d'entre vous. Les gagnants seront connus dans l'onglet communauté ou sur Discord et Twitter. Voilà, allez, place au journal. Donc on va commencer avec ce premier jeu développé par nos amis Paris Monochrome. Donc c'est un jeu qui fera aider Emma et l'ours pelouse résoudre des mystères et enquêter sur la disparition du célèbre magicien Thomas Kane. Allez, let's go. Je vous présente Tandem, A Tale of Shadow. En français, Tandem, un conte d'ombre. C'est du genre action-aventure indépendant. Donc, le but de l'histoire, il faut aider Emma et l'ours en pelouse fantôme à résoudre le mystère de la disparition du célèbre magicien Thomas Kane. Tale of Shadow redéfinit... C'est un genre de puzzle plateforme avec un gameplay unique de haut en bas et à définiment latéral avec un esthétique exceptionnel. Il obtient la note de 79 sur 100 sur Metacritic, disponible sur PC, Switch, PlayStation et Xbox. Et c'est développé par nos amis Paris Monochrome. Maintenant qu'on est sorti du château avec notre amie Emma et la peluche, on découvre le deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est un jeu FPS à la troisième personne. Le but, c'est de cambrioler des banques et c'est créé par notre ami V-Wayscam. Allez, je vous laisse découvrir ce magnifique jeu. Let's go! Dans ce jeu, une équipe de voleurs tente de voler de l'argent et d'autres biens dans une banque tout en essayant de ne pas se faire remarquer par l'équipe de flics. Il y a 32 classes complètement différentes à choisir avec différentes capacités, chargement d'armes et avantages passifs. Tous les canons de la première partie sont inclus dans ce jeu ainsi que de nombreuses nouvelles armes passionnantes comme un lance-roquettes, différents types de lance-grenades et bien plus encore pour un total de plus de 20 armes uniques. Vous pouvez créer votre propre carte ou jouer sur des cartes créées par la communauté qui complète les 5 cartes incluses. 3 étant complètement nouvelles et 1 étant une carte retravaillée et peaufinée de la première partie. Il y aura également plus de cartes officielles et de concours de cartes personnalisées à l'avenir. Et le jeu est sur PC. Donc maintenant qu'on est sorti de la banque, qu'on a pris de l'argent, ou des sous-sous-sous-sous, donc le troisième jeu nous amène au pays des pirates, dans laquelle on incarne Hugo, qui a but de secourir la compagnie. Allez, let's go, laissons les pirates venir à nous. À la mer, Moussaillon. Nous sommes maintenant en 1737. Un jeune et ambitieux aventurier, Hugo Artix, poursuit la colonie perdue pour faire sa première grande découverte. Maintenant, différentes personnes vivent à Croat, où il est venu résoudre ce mystère. Il planera autour de l'île et aura certainement une série de problèmes arrivés à la colonie perdue. Pour découvrir ce qui est arrivé. Dans ce jeu, tu pourras combiner et utiliser des objets pour résoudre des énigmes. Faudra aussi essayer de gérer les visiteurs pirates de routine de Croat. Et bien sûr, profiter de dialogues amusants. Tu pourras aussi dessiner des choses importantes et prendre des notes à leur sujet dans son journal. Tu trouveras ce jeu uniquement sur PC et c'est édité par nos amis Grab the Game et développé par les studios à Matt Graft. Donc maintenant qu'on est sorti des pirates, place au quatrième jeu. Oh, que le temps passe vite les amis, que le temps passe vite. Le quatrième jeu s'appelle UAL. Le but, c'est de faire du 1v1 ou du 2v2, les amis. Voilà. Donc vous pouvez jouer soit en solo ou soit avec un ami. Donc place au FPS. Let's go. Et je te prends un V1 quand tu veux, où tu veux. Let's go. Je vous présente le jeu UAL. C'est un jeu FPS, vous pouvez faire du 1v1 ou du 2v2. Le gameplay est construit autour d'un système symétrique. Vous apparaissez avec la même arme que votre ennemi, à la position opposée.
Les deux côtés sont en miroir en vous assurant que votre compétence sont ce qui fera le plus de différence. UL s'appuie sur la mécanique eSport avec le système best-of 5-7-1-7 et le meilleur des 3 jeux et un mini-jeu pour chaque tour. Le make-off est similaire à un tournoi lorsque vous gagnez, vous partez sur une autre carte avec d'autres gagnants. La carte et le mini-jeu changent. Et c'est développé par nos amis modifiés et c'est sur PC uniquement. Malon, on a découvert le duel, les amis. Place au cinquième jeu. Le cinquième jeu s'appelle Waco et est développé par nos amis Catable Production. C'est un jeu qui veut être réaliste. C'est encore un jeu FPS. Je vous laisse découvrir ce jeu d'action qui se prénomme Waco. Allez, reportage, let's go. Je vous présente le jeu Waco. Waco est un excellent jeu de tir tactique en temps réel. Choisissez qui vous voulez, être un soldat de SWAT ou un membre du cartel. Gagnez des combats, éliminez des adversaires, gagnez de l'argent. Le jeu, augmentez votre niveau de personnaliser votre équipement. Jouez en ligne avec des milliers de joueurs dans ce jeu de tir à la première personne, multijoueur en solo ou avec des amis. Plongez dans le monde des batailles et des victoires. Rassemblez votre équipe et combattez jusqu'au bout. Profitez du jeu et améliorez vos compétences. Waco est un jeu multijoueur en temps réel avec plusieurs modes de jeu. Il y a match à mort par équipe, match à mort FFA et bombe. Multijoueur en réseau avec des serveurs dédiés et serveurs de joueurs 6 classes différents avec des armes différentes, 2 cartes uniques, mise à jour gratuite, permanente avec de nouveaux modes de jeu, cartes et armes. Une carte qui s'appelle laboratoire forestier et une autre base militaire dans le désert. Vous trouverez des armes de prototype du monde réel. Vous trouverez aussi la météo dynamique. Ce jeu est développé par notre ami 4 comptes de produits. Et c'est un jeu uniquement sur PC. Voilà, maintenant qu'on a découvert les 5 jeux, les amis, j'espère que le contenu vous plaira. J'espère que ce format vous aura plu aussi, les amis. N'oubliez pas, vous pouvez gagner les 4 clés. Il suffit de mettre en commentaire « Je participe », les amis. N'oubliez pas, c'est l'occasion de gagner un jeu PC. Voilà, nous on se retrouve dans un prochain journal. Et le prochain journal, ça se tuera au cœur de YouTube. Voilà, je vous donne l'indice, les amis. Donc, nous, on se dit dans un prochain journal, ou une prochaine vidéo, ou un prochain live. Je vous fais des bisous. Allez, c'était Chichi 80. Ciao, ciao, bye bye.